est engagé assez facilement, oui. Ça a été à la fois une demande, mais une réponse assez rapide de ma part, avec beaucoup de curiosité dans un premier temps, mais aussi maintenant, au fur et à mesure des séances et des séances de travail, un engagement un peu plus, un peu plus soutenu, voire, je veux pas mettre mais voire passionné. La connaissance aussi du petit groupe dont nous faisons partie aussi apporte à la fois fraîcheur et pas mal d'enthousiasme. Donc, ouais, je suis assez satisfait d'y participer. Eh bien, déjà, que la vie soit suivie, qu'on tienne compte de nos préconisations, ça me paraît un point très important. Il y a un peu de scepticisme là-dessus parce que il est évident que ça se passe dans une période électorale qui est assez, même bien entamée, mais que ce soit qu'on en tienne compte pour la suite et qu'on puisse continuer, nous aussi, moi je pense que ça ne peut être qu'un début. Et l'améliorer, et continuer à l'améliorer, et le perfectionner, ça me paraît très très envisageable, même pour les mois, les années à venir, et pourquoi pas. Et rétablir aussi ce climat de confiance des jeunes envers les institutions, ou même les renouveler, ou les moderniser, ou les rafraîchir, tout ça pour justement favoriser leur avis et leur intégration, ça me paraît être aller dans le domaine du possible et même plutôt convaincant pour la suite. Et le fait d'exposer un petit peu cette expérience-là, ça peut aussi déclencher de nouvelles aspirations hein, pour ceux qui m'entourent, et notamment les jeunes. Je suis papa, hein, pour ma part, aussi. Sur le fond et la forme, on est tenu à un formalisme sur lequel le CESE est coutumier, donc on peut difficilement parler de ça. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus synthétique et un peu plus tranchant, mais ça se passe autrement et tant mieux, quoi. Qu'on apporte un peu de douceur aux propos et que l'ensemble du groupe, l'avis de l'ensemble du groupe soit respecté, c'est ça aussi la démocratie.